Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Épanouie Vie. Je m'appelle Angélique, je suis coach de vie certifiée depuis 2008. Cette petite vidéo est une présentation, mais également une introduction, un avertissement sur le fait que pour pouvoir suivre les vidéos qui suivent, il est vraiment important que tu visionnes le premier podcast que j'avais intitulé « Est-on fait l'un pour l'autre ?». Donc c'est une introduction à la spirale dynamique, j'y explique quel est cet outil et comment on va l'utiliser par analogie pour expliquer le couple conscient et le couple toxique. Tu vas y découvrir ton évolution de couple, ton évolution d'amoureux, ton niveau de conscience. Et comme on parle en code couleur, nous allons parler avec chacun des niveaux de conscience, chacun des niveaux de couleurs différents. Vraiment, tu risques d'être un peu perdu, de ne pas pouvoir suivre. Donc, c'est important d'aller visionner ce premier podcast qui s'intitule « Est-on fait l'un pour l'autre ?» Voilà, et pour si tu veux être donc notifié des 8 niveaux de conscience amoureux dans lesquels on va parler, pour être notifié parce qu'ils vont paraître chaque semaine, eh bien abonne-toi tout simplement, comme ça tu seras au courant. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Voilà, à très bientôt, à très vite. Alors à ce jour, le niveau de conscience turquoise est le dernier de la spirale, mais en réalité, il y a déjà une prédiction du prochain niveau qui est le niveau corail. Semble-t-il n'existe pas encore, c'est juste une prédiction, donc je vais pas m'étaler sur celui-là. Alors le niveau turquoise, c'est un peu la synthèse de tous les autres niveaux et donc le niveau jaune en renforcé. C'est-à-dire que là où le niveau jaune cherche, le niveau turquoise, lui, il sait. C'est-à-dire que c'est encore très déstabilisant pour le niveau jaune d'être à la fois bienveillant avec les autres et à la fois de pouvoir se positionner tout en se respectant lui, en se respectant les autres. Tandis que le turquoise, lui, il a vraiment conscience que dans ce chaos, il n'y a pas de solution en fait, ni dans la collaboration, ni dans l'individuel. Et donc, il est plutôt dans un niveau où il englobe tout. Il se considère comme être le tout, tout le monde, que la vérité est partout. Que l'on fait partie d'un tout, que rien n'arrive par hasard. C'est là qu'on va trouver les gens qui utilisent beaucoup la loi d'attraction. C'est là où, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu n'iras jamais pointer du doigt que c'est la faute des autres, mais au contraire, tu iras chercher dans ce qui te dérange hein, chez les autres, tu iras chercher en quoi ça te dérange, en quoi ça te titille là quelque part. C'est que l'autre te renvoie à toi-même quelque chose. Hein. On est bien dans la relation miroir, alors ce que le jaune faisait déjà. Mais le turquoise est beaucoup plus ancré. Je te propose un complément d'information dans le podcast qui va suivre. Je te dis à très bientôt. Coach-moi vôtre! Le niveau de conscience turquoise est la synthèse de tous les autres niveaux. Après avoir été dans la construction du je et du nous, en passant par des niveaux individuels et des niveaux plus collaboratifs, le turquoise, lui, il sait. Il sait qui il est, il sait pourquoi il est fait, il sait quelle est sa place dans ce monde et quelle est sa mission de vie. Il a une vision plus holistique du monde et il a le sens du sacrifice pour survivre. En termes de civilisation, c'est là où on pourra trouver les coachs holistiques. Je dirais qu'en fait, on n'a quasiment pas encore observé ce que ça donne dans ce niveau-là. Donc, comme le turquoise est la synthèse des autres, il comprend toute la systémique des autres comme le jaune, mais il est dans plus d'acceptation. Là où le jaune se positionne de manière plus individuelle. Sa conscience, c'est que le monde est plus grand que nous, qu'on est une petite cellule parmi le macrocosme, qu'il n'existe pas de solution individuelle, que tout est interaction, tout est lié, tout est relié, tout a un rapport, rien n'arrive pour rien. Et c'est là où on utilise beaucoup le concept de la loi de l'attraction. Le grand tout est en permanence remis en question. On considère que la vérité est partout et on la questionne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette
tendance à mettre des coupables, à mettre des c'est bon, c'est pas bien. En fait, tout est vrai pour tout le monde, là où il est à son niveau, là où il le ressent, comment il le vit. Et ces vérités-là, on peut les questionner, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre sur nous-mêmes pour évoluer. On théorise davantage là où le jaune cherche, le turquoise sait et ressent. C'est une recherche permanente de comprendre que nous sommes multi-influencés et quelle est ma place dans le monde de toutes ces influences. Dans le couple, comment ça se manifeste? Alors, encore une fois, en termes de couple toxique, je dirais plutôt que c'est quand on est mal assorti, qu'on n'est pas du même niveau de conscience. Et dans le couple conscient, ce que je vis est relié à l'autre, donc l'autre est mon miroir. Donc on a déjà vu ça hein, dans le niveau jaune, mais c'est une version encore bien plus large en termes de conscience. Là où le niveau jaune ne veut plus accepter de vivre des choses qui sont inconcevables pour lui, le turquoise admet davantage que la vérité est en chacun de nous et donc il y a beaucoup plus d'acceptation. Donc je n'ai pas assez hein, d'éléments à ce jour, il est fort à parier que le turquoise sera davantage incompris. Mais comme il est dans l'amour universel, lui, en question de ressenti, je pense qu'en fait, il s'en fiche complètement, il se fout de tout. C'est vraiment le niveau où on s'en fout. On s'en fout, on est qui on est, on accepte ce qui est. Et je crois qu'en termes de souffrance, c'est vraiment complètement différent de ce qui a pu être vécu jusqu'à présent. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de souffrance, je dis juste que ce qui est sentiments et émotions sont compris et gérés de manière très adaptée. Et puis, comme le monde hein, est en constante évolution, on a déjà fait une prédiction sur le prochain niveau qui s'appelle le niveau corail. Je ne vais pas faire à ce jour de vidéo à ce sujet-là parce qu'on n'a vraiment pas assez d'éléments en ce qui concerne le niveau corail. C'est une prédiction, il n'existe pas encore. Mais j'espère vraiment avoir la joie de vous le présenter un jour.